Ce 1er août 2024 marque le 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Comme dans plusieurs villes du pays, Parakou n'est pas resté en marge de cette commémoration. La première autorité du département du Borgou, le préfet Djibril Mama Cissé, accompagné du maire de Parakou, Inoussa Chabizimi, ont sacrifié à la tradition. Au pied de la statue du père de l'indépendance, un dépôt de gerbe en l'honneur du feu Hubert Koutoukou Maga a marqué d'un cachet spécial cette célébration sobre mais empreinte de solennité. S'en est suivi l'honneur aux militaires et ensuite un recueillement au domicile du feu président Hubert Maga au quartier Kébié dans le premier arrondissement de la ville. Tout en souhaitant une bonne célébration de la fête de l'indépendance à la population béninoise, le préfet du Borgou a salué la mémoire des fils et filles du Bénin qui sont tombés les armes à la main. Vous me permettrez d'abord de saluer la mémoire des pères fondateurs de notre pays, qui de hautes luttes nous ont permis d'être libres. Alors je voudrais qu'on prenne vraiment conscience de cette lutte qu'ils ont menée, de cette liberté chèrement acquise, pour qu'ensemble nous continuions donc à œuvrer pour l'édification de notre pays, qui depuis 2016, vous convenez avec moi, fait la fierté de tous les Béninois. Alors je voudrais en cette période surtout un peu critique dans le nord du pays, demander aux uns et aux autres de faire preuve d'une vigilance des plus accrues. L'autorité communale à son tour a salué les avancées notables qu'a connu le Bénin de 1960 à ce jour. 64 ans d'anniversaire, 64 ans d'indépendance, nous avons fait du chemin. Nous allons remercier encore le Seigneur parce que au fil des ans, le pays se métamorphose. Et à chaque année, nous faisons encore plus que l'année dernière. Pour qui connaît notre pays il y a 10 ans en arrière, il y a 15 ans en arrière, aujourd'hui doit pouvoir dire que le Bénin a évolué. Et c'est ce que nous allons souhaiter tous. Et quand on parle d'indépendance, quand on parle d'avancée, quand on parle de développement, cela concerne tout un chacun d'entre nous. Et notre souhait est que le Béninois continue d'être patriote.